Et ma bonjour à tous, c'est Louche, pas vous, vous allez bien? En tout cas, moi c'est super et bienvenue pour la vidéo tuto geocaching. Donc, comme vous pouvez voir dans le titre de la vidéo, dans cette vidéo, je vais vous parler des règles du geocaching, car comme la plupart des jeux, mais le geocaching a des règles. Donc voilà. Donc, j'ai mis ces règles dans 4 points. Donc, il y a quelques points qui peuvent se relier, car bah, c'est la suite de notre point. Donc voilà. Donc commençons tout de suite avec le premier point. Donc le but du geocaching n'est pas de flinguer la nature, au contraire on est là pour la préserver, mais de s'amuser en cherchant des objets à l'intérieur. Donc voilà. Donc les geocaching nous permettent de découvrir des lieux que nous ne connaissons pas, donc, par exemple des lacs, des carrières, des gorges, etc. Donc pour ma part, je vous avoue quand même qu'en faisant des vidéos geocaching, j'ai découvert que des endroits que je ne connaissais pas aux alentours de chez moi. Comme quoi, en faisant du geocaching, vous pouvez trouver des endroits que vous ne connaissez pas aux alentours de chez vous. Donc voilà. Donc, deuxième point, il est interdit de percer, clouer, visser dans un arbre, sachant qu'on peut tuer un chêne en plantant un clou. Voilà. Troisième point, donc ça c'est la suite du deuxième point, c'est pas compliqué de trouver un emplacement pour des caches. On peut trouver des trous naturels, par exemple des trous pivers, des nids abandonnés, des nichoirs cassés, donc voilà. Si vous voulez, vous pouvez vous inspirer de mes vidéos geocaching pour faire vos caches si vous voulez. Je vous avoue que moi, pour faire mes caches, je me suis inspiré des caches d'autres geocacheurs, donc voilà. Et enfin, quatrième et dernier point, qui est surtout pour tout le monde, ce n'est pas uniquement pour les geocacheurs, c'est surtout pour tout le monde. Respectez la nature, ne jetez pas vos déchets, il y a des poubelles, c'est fait pour ça. Et pour les geocacheurs, respectez tout ce qui est chasse, propriété privée. Pour les chasses, c'est pour que vous évitez que vous retrouvez des plombs dans les fesses. Donc voilà pour les règles du geocaching, donc ce sont des règles de base, hein, même dans la vie quotidienne, hein, évidemment. Donc voilà, donc c'est la fin de ces vidéos. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager et de vous abonner si vous avez envie. Donc moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et ciao à tous. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu. Vous pouvez vous abonner juste ici et garder ma dernière vidéo juste là. Bon, il faut cliquer un moment là. Je pense un petit peu à la C'est bon? Allez, salut!